Salut les gars, et oui, bienvenue sur la chaîne, sur le canal Un seul Olympique. Allez l'OM, et merci pour cette victoire contre Lille. Magnifique victoire, bravo à Alexis Sanchez, bravo à Gigot que j'ai critiqué aussi, je l'avoue. Des fois il a des petites carences défensives, et ouais, il manque, et oui, le match contre Tottenham mérité à travers de la gorge, et oui, avec les deux buts de la tête de Richarlison, et oui, hein, c'est un Schtroumpf, il a battu Gigot de la tête, c'est incroyable. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, et oui, allez l'Olympique de Marseille, Marseillais, Marseillais. Allez, on y va. Donc, on va parler du match qui arrive à grands pas, le match de Francfort. Et oui, c'est l'élimination. Si on perd ce match, on est foutu. Nîmes, on est mort. On est foutu. Quand c'est fondu. Comme dit mon collègue Karim, il faut pas que ça soit fondu, les gars. Pas de fondu savoyard ni marseillaise. Allez, on va essayer de gagner ce match. Il faut absolument le gagner, ce match. Il faut mourir sur le terrain, les amis. Et oui, avec un public de folie. Et ces hooligans de Francfort, ça n'a rien à voir. Regardez le public marseillais, la vraie ferveur. Comme les Américaines du Sud, oui, nous c'est le vrai football, nous c'est le football de l'arte, oui, c'est un football magnifique, c'est un football avec une histoire, un football légendaire. Donc on va rentrer, apparemment ça c'est le 11 qui va peut-être varier selon l'entraîneur, on va voir selon les dispositions. Donc là, Sanchez en pointe avec Payet sur la gauche, Payet qui s'est reposé depuis sa blessure au mollet, et oui, c'est pour ça que Tudor ne l'a pas fait jouer. Donc il faut pas critiquer l'entraîneur, il sait ce qu'il fait avec un Guendouzi, toujours Guendouzi qui fait match sur match, et oui, aucun repos pour la machine Guendouzi. J'espère qu'il va en avoir encore dans le réservoir. Ensuite au milieu, il a choisi Veretout, Rongier qui a été reposé, bravo à Tudor, Igor Tudor, le coaching est magnifique du coach croate, et oui, du coach croate magnifique, et oui, du Crocop, et oui, attention. Donc après il y a Nuno Tavares le portugais, et oui, prêté par Arsenal sans option d'achat malheureusement, et oui, qui va encore avec, après ses sombreros exécutés contre le LOSC, qui va encore donner, ça fait quand même pas mal de temps qu'il joue. Jonathan Klaus, on va l'appeler Jonathan la classe, et oui, Jonathan Klaus, j'espère qu'il va être là, parce que ça c'est vraiment le joueur qui fait la différence avec ses courses, et oui, le latéral, et oui, la moto, et ses centres, surtout, il faut qu'il centre, il faut qu'il percute, qu'il permute, voilà. Ensuite, Veretout, Rongier, oui, il a mis la garde au milieu de terrain pour manger le milieu de terrain, ça va boxer au milieu, ça va être une guerre physique, magnifique. Ensuite, Kolasinac qui s'améliore, et oui, Kolasinac, qui prend du galon, ça va un peu mieux. Eric Bailly, et oui, Eric Bailly, l'éléphant, et oui, le joueur de la Côte d'Ivoire, magnifique, défenseur classe, avec ses interventions au couteau, magnifique. Balerdi, ah non, pas Balerdi, non. Je suis désolé, c'est vrai que, comme je le redis à chaque fois, ce qu'il disait Villas-Boas, qui est resté dans ma mémoire, il faut encourager nos joueurs, il ne faut pas les enfoncer, c'est nos joueurs, il faut les faire progresser comme il avait fait avec Jordan dans ma vie, je le répète, ça fait 15 fois que je le dis, mais bon, Balerdi, allez, je l'encourage quand même, allez, Balerdi, arrête avec tes carence défensive, là, tes erreurs, reprends-toi. Oh, tu es un Argentin, tu n'es pas infatigué, je comprends pas, moi. Oh, les Argentins, ils savent jouer au ballon. À la Gabi Enzo, inspire-toi de Gabi Enzo, de ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, sérieusement. Voilà, donc il y a le match qui arrive, c'est un match coupe-gorge, c'est un match de la mort. Et Francfort, c'est notre bête noire, il nous avait mis 4-1, c'est ça, avec Sébastien Haller, avec, je sais pas s'il y avait Jovic, Kostic, une sale équipe, il nous avait mis le feu, Sébastien Rodeux, c'est ça, c'est bien Francfort, je me trompe pas, Sébastien Rodeux, ça va être très très difficile de relever le couvercle, et oui les gars, il va falloir le public, on a besoin de ce public, du meilleur public de France, et oui, avec, je respecte aussi le RC Lens, respect au RC Lens, magnifique public, j'avoue, je dis la vérité, mais quand même c'est pas du chauvinisme, je mettrais l'Olympique de Marseille quand même devant, mais je dirais deuxième les Lensois et les Strasbourgeois aussi, j'aime bien les Strasbourgeois, bravo aux Alsaciens aussi, respect, voilà. Donc voilà, c'était ma petite aparté, ma petite dédicace quand même pour le football français, parce qu'on respecte tout ce qu'a fait l'histoire du football, ainsi que Gilbert Gress, tout ça, qui a formé les Wenger et ainsi de suite, et les épopées en Coupe d'Europe qu'ont fait les clubs français à l'époque, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Donc voilà,
Ah oui, paillettes, s'il te plaît, il faut que tu me le fasses griller, quoi. Il y a paillettes, sérieux, non, mais sérieux, fais-moi les zouker. Mais fais-moi les zouker, paillettes. Mais sérieux, fais-moi les zouker. Allez, fais-moi. Ah, je sais que tu as du ballon, mais tu es un peu feignant parfois. Allez, fais-moi bouger ces hanches-là, paillettes, s'il te plaît. Avec ton pied droit, là, tes coups francs, tes corners, on a besoin de toi. Ton intelligence de jeu et ta frappe parfois qui a fait la différence. Comme le 5 à 2 contre Leipzig, quand il chantait, là, l'attaquant, là, ex-PSG, là, formé au PSG, il chantait, là, il marquait au Vélodrome, il chantait, il dansait, mais il avait pas anticipé. D'ailleurs, personne n'avait anticipé le retour, le revirement de situation et le 5 à 2 par la suite avec des frappes tonitruantes de Dimitri Payet. Donc les gars, on attend ça. Et oui, le réunionnais avec ses couettes, j'espère qu'il va étaler toute la palette de son talent. Et oui, tu es un peu feignant, on te demande mieux depuis que tu es petit. Je te vois dans les vidéos, tu jouais pareil, tu peux faire mieux, Dimitri. Sérieux, tu es un bon. Je sais que tu es un bon. Quand tu veux, tu peux aller travailler, élabore ça physiquement avec les élastiques, la musculation, les séances à la maison. Allez, il faut qu'on passe, faut absolument gagner ce match. Après, tu as le Sporting, tu as. Et le Sporting, attention, le Sporting, je ne sais même pas s'ils vont pas finir premier, le Sporting, avec Amorim, l'entraîneur là, mamma mia, ça va être très très difficile. Voilà, donc on anticipe, le match arrive à grands pas, ça va être, si je dis pas de bêtises, c'est là, là, ça arrive, hein. Donc ça va être la Ligue des Champions, les amis, il va falloir se comporter comme des champions, il va falloir gagner ce match, sinon, mon pote, c'est fini, parti, et on rentre à la maison. Donc allez, l'Olympique de Marseille, n'hésitez pas à vous abonner, et oui, les jaloux vont maigrir, on le sait, abonnez-vous, je sais, vous regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, abonne-toi au lieu de marronner. Allez, mon pote, et merci à tout au peuple marseillais. Merci à la région parisienne qui regarde. Je sais pas si c'est par hostilité, mais je sais qu'il y a beaucoup de supporters en région Île-de-France et région parisienne. Donc, je remercie Marseille et sa région, et oui, le 13, la Provence, et oui, et je remercie aussi l'Île-de-France. Je remercie aussi l'Afrique, le Sénégal, Abidjan. Je remercie le Gabon. Je remercie aussi Santiago du Chili qui regarde aussi depuis la venue d'Alexis Sanchez, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, La Réunion, toutes les. Oh là là, il y a trop de gens qui nous suivent. Merci les amis, on vous embrasse. Je ne peux pas dédicacer tout le monde à chaque fois à l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à vous abonner, à liker surtout. Merci les gars, à liker, à vous abonner, à partager, à regarder dizaines de fois, des milliers de fois. Merci les amis, on vous embrasse. Allez, l'Olympique de Marseille, il faut gagner ce match, les gars. Faut le gagner. C'est absolument la victoire. Il n'y a pas d'autre maître mot. Allez, ciao les gars.